J'en ai trouvé un. Un outil de Shinobi. Oui. Je t'ai dit l'autre fois que ta prothèse était un croc. Mais en adaptant des outils de Shinobi à ton bras, tu seras capable de changer la forme de ce croc. Des boucliers épais faisant des échardes. Des ennemis rapides abalés à distance. Adapter davantage d'outils, c'est plus de manières de tuer tes ennemis. Si tu dois tuer quelqu'un, il faut utiliser la méthode adéquate. C'est aussi simple que ça. Vous en savez long sur la prothèse. Je ferais mieux de me calmer. Plus je parle de bains de sang, plus mes sculptures deviennent démoniaques. Donne-moi ça. Je vais l'installer pour toi. Quoi que je fasse, les Bouddhas que je sculpte incarnent la colère. Voilà ce qui arrive aux êtres vils. Tu comprendras le jour où tu essaieras d'en sculpter un toi-même. Alors, besoin de quelque chose ? L'héritage du dragon. Il existe un sang spécial qui porte ce nom. Et ce sang coule dans les veines de ton maître. C'est pour cela qu'on en a après lui. Il est possible que les choses étranges que subit ton corps aient un rapport avec ça. Oui. Eh bien, ce Bouddha miséricordieux que tu vois là ne fait rien d'idiot avec lui.
L'eau loyale, prends mon sang et revis. Oh!
Tu as remarqué quelque chose de différent? Oui. À savoir? Je suis mort. La voix de l'héritier divin est venue jusqu'à moi. Et je suis revenu à la vie. Alors tu es mort. Et maintenant tu es de nouveau vivant. Cela signifie que c'est une résurrection. Résurrection? Le Seigneur Kuro. On dit que c'est un des pouvoirs de l'héritage du dragon de l'héritier divin. Ceux à qui est donné le pouvoir de résurrection peuvent revenir d'entre les morts, de façon répétée. C'est impossible. Oui, c'est assez étrange. Et pourtant, cela arrive de temps en temps. Préviens-moi si tu remarques d'autres changements. Je pense que le pouvoir de résurrection a un coût pour celui qui l'utilise. Je suis contente que tu sois venu, Lou. C'est ça, des graines de gourde? Oui. Apporte-moi ça. Mets les graines dans la gourde. Parfait. Maintenant, tu auras plus d'eau médicinale dans la gourde. Quel étrange remède. Étrange? Je ne me vexerai pas de ta remarque. Mais si ça fonctionne, c'est une bonne chose. Que ce soit étrange ou pas. C'est ce que mon mentor Dogen m'a appris. Je vois. Pense à m'apporter les autres graines de gourde que tu trouveras. Je pourrais encore augmenter le volume d'eau médicinale. Donc ce n'est pas une marque de naissance. Alors, cela signifie sûrement qu'elle apparaît sur ceux qui ont reçu l'héritage du dragon. Ou alors que c'est un signe. Au revoir.
Oh, c'est toi, Inosuke? Mon fils, as-tu vu le jeune maître? Quoi? Tu ne dis rien? Tu as mal à l'estomac ou au ventre? Tu as toujours eu l'estomac fragile. Enfin, prends cette cloche. C'est un charme que j'ai fait en pensant au jeune maître. S'il te plaît, offre-la à Bouddha pour le protéger. Cette bataille, tu penses qu'on peut la gagner? J'ai peur qu'on ne l'emporte pas. Quoi? Ça va très bien se passer. Bon, Ishin est peut-être malade, mais il est toujours très fort. Et Gunichi...
Ouais. Qui va là? Il y a quelqu'un? Oui. Cette voix... Non. Se pourrait-il, Seigneur? Je suis Inosuke Nogami, vassal de la famille Hirata. Ou du moins autrefois. J'ai besoin d'un service. Pouvez-vous aller voir la vieille dame? Dans cette maison. C'est ma mère, mais elle perd la tête. Elle ne différencie plus les gens. J'ai vu votre mère. Elle m'a donné une cloche. Elle vous l'a donnée. Je vous remercie. Cette cloche la trouble depuis très longtemps. Elle parlait de façon incohérente. Elle disait de l'offrir à Bouddha.
Je vous connais. Ouais! Vous êtes le brave seigneur Shinobi. Je ne vous avais pas revu depuis... eh bien, cette nuit-là. Quelle nuit? Hein? Vous ne vous rappelez pas? Non. Oh... je vois... vous ne vous rappelez pas. Écoutez, seigneur. Vous et moi, on s'est déjà rencontrés. J'étais un voleur à l'époque. Mais ces jours sont derrière moi. Maintenant, je suis un honnête marchand. Le problème, c'est que je n'ai plus un sou. Et donc, que je n'ai rien à vendre du tout. Alors, mon brave seigneur, auriez-vous quelques pièces à me prêter pour mes affaires? Je trouverai quelque chose d'utile, rien que pour vous. Promis. Et en bonus, je vous dirai tout sur cette nuit-là. Qu'en dites-vous? C'est une excellente affaire, non? Voilà quelques pièces. Merci, mon bon seigneur. Maintenant, raconte. Oui, oui, bien sûr. Cette nuit-là, ma bande s'était introduite au manoir des Hirata. Comme vous le savez sûrement, les Hirata sont des vassaux des Ashina. Normalement, ils auraient dû nous massacrer en un rien de temps. Mais quand nous sommes arrivés, une bataille se déroulait au loin et presque tous les jeunes samouraïs étaient partis. C'était une occasion en or. Ensuite, nous avons mis le feu pour tout voler. Et c'est là que je vous ai rencontré. Vous cherchiez quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'il m'a semblé. C'est tout ce que je sais de cette nuit-là. Je vois. Ouais. La tête que vous faites là, c'est celle que vous faisiez cette nuit-là. Vous cherchez toujours quelque chose ?
Écoutez, mon bon seigneur, si vous payez, je pourrai vous raconter d'autres petites choses utiles. Si vous payez, bien sûr. Je suis un marchand désormais. Je vais trouver quelques marchandises avec les pièces que vous m'avez données. Je suis impatient d'en trouver. Cet homme venait de Hirata. Je dois présenter mes respects. Seigneur Kuro. Dame Emma, y a-t-il d'autres survivants de Hirata ? Nous ne sommes plus très nombreux. Je vois. Je vous présente mes excuses. Rien n'arrête ceux qui cherchent l'héritage du dragon. Leur destin était écrit à cause de ceux qui me poursuivent. Je regrette qu'ils aient été impliqués. J'ai vu. Oui ? Je vous ai vu, avec le seigneur Kuro, dans une vision. Une vision ? Oui. Où est le seigneur Kuro à présent ? On le détient près du puits dans le château Ashina. Cependant, la porte du château est fermée. Je vois. Qu'y a-t-il ? On dirait que ton sens du combat est revenu. Tu es un peu plus shinobi qu'avant, mais pas énormément. Prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Des techniques de shinobi. Ce sont des techniques de combat qui ne peuvent pas être exécutées par des samouraïs. À toi de voir si tu les utilises ou pas. Les shinobi ne sont pas les seuls à avoir leur propre technique de combat.